Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve encore une fois de plus pour regarder les énergies de la semaine. Alors, on va regarder sans plus attendre pour lundi, s'il vous plaît. J'en ai déjà eu deux pour lundi. Les énergies de lundi. À quoi est-ce que l'on doit s'attendre, s'il vous plaît? Et trois. Alors. Lundi, orientation, solution et nouveauté. Alors, on va faire une petite coupe pour en savoir un petit peu plus. Il y a des nouveaux chemins dans un premier temps qui sont déjà en train de se dessiner, des solutions concernant aussi éventuellement des contrariétés. Je fais une coupe, je me mets là devant vous. Alors... Ouais, on nous parle d'analyser peut-être encore certaines choses qu'on n'aurait peut-être pas forcément vues. Alors, on va regarder un petit peu plus en profondeur. Ouais. Alors ici, il y a vraiment la notion peut-être de contrat qui arrive assez rapidement. Il y a peut-être des choses en dessous d'un contrat. Donc, si vous vous apprêtez aussi à signer quelque chose, on vous dit bien de prendre le temps de faire une analyse ici. Parce qu'il y a quand même des choses encore en dessous qui sont peut-être pas forcément dévoilées. Hein. On vous parle aussi de communication ici. Donc, on va vous aider. On va vous donner les bons tuyaux. Et on va continuer avec... Mardi, pour mardi, s'il vous plaît. Mardi. Alors, on ressent déjà un conflit pour une signature. Conflit pour une signature. Donc, ça peut être en lien avec de l'eau ici, pour certaines personnes qui attendent éventuellement une installation ou comme ça. On peut nous parler d'une petite problématique en lien avec ça, dans un premier temps. Pour d'autres, on vous parle aussi de grosses fatigues. On vous dit aussi qu'il peut y avoir un conflit à signer. Donc, s'il y a quelque chose qui viendrait à arriver, à se mettre en avant, ou c'est que vous devez mettre votre signature sur un document, j'ai envie de vous dire, prenez le temps. Si vous pouvez repousser, repoussez. Prenez le temps d'analyser. Si je fais la coupe ici, on nous parle quand même de solutions trouvées. Si c'est en lien avec quelque chose, avec de l'eau qui doit être installée, on nous parle d'une solution trouvée. Pour les autres, comme j'ai dit, s'il y a d'autres choses à signer, c'est peut-être pas forcément le bon moment. Il pourrait y avoir du retard et ça se fera par la suite. D'accord? Alors, pour mercredi, s'il vous plaît, les énergies pour mercredi, pour ceux et celles qui aimeraient me consulter pour une consultation défunt, pour un soin ou tout simplement pour une guidance domaine général, c'est comme je le dis systématiquement, vous pouvez me joindre à l'adresse mail qui figure en dessous de la vidéo. Alors, mercredi, hop, hop, hop. On a eu quand même 4, on va les prendre. Mercredi, on nous parle de discussion. Oh, il y a un petit peu de l'orage dans l'air. Hein. Ouf. Il y a du conflit mercredi aussi. Hein. On nous parle d'être clair, net, de trancher et d'arrêter quelque chose ici. Hein, pour mercredi, il y a quelque chose qui doit s'arrêter. Alors, on va regarder avec la coupe ce que ça donne. Alors, il y a des choses un petit peu cachées, qu'on garde pour soi, qu'on ne dit pas. Ça peut être des choses aussi intérieures hein, chez les dames ici. Hein. En lien avec l'enfant intérieur, bien évidemment, de prendre le temps de vous écouter, de vibrer sur ce que vous souhaitez. Ensuite, on nous parle peut-être aussi au niveau professionnel ici, d'un déplacement au niveau professionnel, d'avoir des discussions, peut-être quelque chose qui soit engagé. Il y a un chemin qui se dessine pour ceux qui sont à la recherche d'emploi ici. Ouais, il va y avoir peut-être très certainement deux propositions dans le temps pour un nouveau travail, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Donc plutôt positif pour ceux et celles qui sont dans l'attente, j'ai envie de vous dire, ça arrive, c'est en route. Alors... Oups.
regarder maintenant pour jeudi, s'il vous plaît. Les énergies qui vont nous accompagner pour jeudi. Il y en a eu pas mal. Je ne sais pas si je vais tout prendre. Alors, pour jeudi, on nous parle de cadeaux pour vous, mesdames. Pour jeudi, on va quand même les prendre les autres. Alors, ça peut être un cadeau qu'on vous fait, que l'univers vous fait. Ça peut être aussi des discussions en lien avec le travail ou quelque chose que vous souhaitez mettre en place ou quelque chose aussi que vous souhaitez voir se matérialiser. On vous parle néanmoins ici peut-être de chemins adjacents ici. Ouais. On vous parle aussi de beaucoup, il y a beaucoup de monde autour de vous, c'est quelque chose quand même d'assez ancré, hein. Ces décisions, ce que vous souhaitez faire, donc ça peut être professionnel, ça peut être dans le sens aussi, c'est que vous souhaitez faire quelque chose de nouveau, peut-être au sein du foyer, ou c'est qu'on vous dit, il y a peut-être plusieurs possibilités, donc prenez le temps aussi de l'analyse, de la réflexion. Il y a du monde autour de vous qui pourrait aussi vous aider. On peut nous parler aussi d'apport financier pour certaines personnes. Une aide peut vous être accordée. On va regarder là en coupe pour en savoir un petit peu plus. Alors, la coupe. Oups. La coupe. L'enfant et les nuages. Ouais, on voit que vous ne savez pas encore vraiment ce qu'il en est. Mais il y a des solutions, il y a les choses, elles sont. C'est comme des roues, c'est comme un engrenage, hein, ce qu'on me montre. C'est que ça vient au fur et à mesure, c'est en train de vraiment bien s'emboîter. Il n'y a pas de souci à avoir. Il y a encore aussi des développements personnels qui se font. Donc, au niveau de la spiritualité, mais pas que. D'accord, aussi au niveau énergétique où c'est qu'il y a des passerelles qui sont en train de se créer, il y a une nouvelle tendance énergétique qui va peut-être, j'ai envie de vous dire, peut-être qu'il y en avait qui avaient des sauts d'humeur ou de l'agressivité, où c'est que là ça va être un petit peu plus temporisé dans ce que je ressens. On est plus à l'écoute, on est plus dans l'ancrage, on vibre un petit peu sur quelque chose de nouveau énergétiquement ici, c'est ce qu'on me montre. Plutôt positif, les amis. Plutôt positif. Alors, pour vendredi, s'il vous plaît, les énergies du vendredi. Alors, pour vendredi. Une. Vendredi, deux. Et la troisième, elle est restée dans ma main. Alors, je la prends. Je laisse là, si j'ai besoin d'approfondir. Vendredi, les connaissances. Waouh, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Hein. Il y a des choses qui vont se décanter, c'est ce que j'entends en clairaudience. Il y a des alternatives possibles, différentes alternatives. Moi, j'en vois trois. Il y a trois différentes alternatives concernant quelque chose de bien spécifique pour vendredi. Donc, bien évidemment, c'est général. Donc, à chacun, ça va parler différemment. Donc, essayez de vous souvenir vraiment de ce que je dis. Il y a plusieurs possibilités. Il y a le soleil, de toute façon, je ne peux pas vous dire qu'il y a un chemin qui est préférable plutôt que l'autre. C'est à vous de sentir, vous allez sentir les choses, mais quoi qu'il en soit, c'est positif. Je coupe. Donc, on peut nous parler de retard. Ensuite, retard, peut-être un petit blocage, une indécision ici. Moi, c'est ce que je vois chez vous. Une indécision qui peut être soit vous, madame, ou soit une dame qui vous met un petit peu dans une situation inconfortable parce que vous n'arrivez pas à prendre une décision. Pourquoi ? Parce qu'on voit qu'il y a un conflit d'intérêts. Quand je dis conflit d'intérêts, c'est un peu vague. C'est plus dans le sens de dire on ne sait pas trop si on doit écouter plus l'un ou plus l'autre. C'est pas vraiment fluide, on ne sait pas encore très très bien. Donc on va vraiment vous demander aussi peut-être de demander des avis extérieurs concernant ici peut-être ce compromis à trouver. Quoi qu'il en soit, je vois qu'on trouve des solutions pour une stabilité. D'accord ? Il y a de la souffrance, il y a... Quand je dis souffrance, ça peut être dû aussi, si vous voulez, à ce que vous avez dû emmagasiner, de la fatigue et tout ça, où c'est qu'on voit très très clairement ici que c'est, il y a une tendance changeante. Une tendance changeante de quelque chose, un air nouveau justement, c'est comme je le disais aussi pour jeudi, on voit que les énergies elles changent. C'est quelque chose de nouveau qui vient, qui est beaucoup plus apaisant, beaucoup plus fluide.
On vous parle aussi du 3. Donc le 3, pourquoi? Je ne le sais pas. Le 3 et le 4. À l'heure actuelle, on est le 3. Donc peut-être pour lundi, ça va vous parler. Quoi qu'il en soit, il y aura bien des accords extérieurs et on nous parle aussi de beaucoup de fatigue, peut-être à ce que vous devez faire si c'est en lien avec des démarches administratives ou en lien avec le travail. Donc essayez un petit peu de vous ménager, les amis. Alors voilà ce que je pouvais vous dire. J'ai mis aussi une offre en place à l'heure actuelle au niveau des consultations défunts. Le prix est de 70 euros et je rajoute en plus 15 minutes de consultation personnelle pour ceux et celles qui aimeraient avoir peut-être plus d'explications concernant une thématique bien spécifique ou c'est qu'on prendra le temps aussi d'aborder peut-être éventuellement d'autres points. Voilà, donc les deux séances combinées pour 70 euros. Donc ceux et celles qui sont intéressés justement pour cette offre, vous pouvez aussi le notifier dans votre mail et moi je me ferai un plaisir de vous répondre. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous de passer une excellente semaine.